La dépouille de l'ancienne gloire de la boxe algérienne Loussif Hamani est arrivée hier. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui dans son village natal d'Atihia, au sud-est de Tizi Ouzou. Il est décédé le 10 novembre dernier à Paris, à l'âge de 71 ans. Sa carrière retiendra 27 combats et un palmarès de 7 fois champion d'Algérie, champion maghrébin, médaillé d'or aux Jeux africains et aux Jeux méditerranéens et 2 fois champion d'Afrique. On écoute ses proches présents à l'enterrement. Ils étaient au micro de Khaled Mazouz. Je pensais pas qu'il partait si tôt. Je l'ai vu 2 jours avant. Je l'ai laissé en bonne santé. Voilà. Je devais revenir le soir pour dormir avec lui, malheureusement. Je l'ai retrouvé à la clinique. Voilà. Et Jaya. C'est une fierté des Émoul, Rornard. C'est une fierté pour l'ensemble des Algériens. Nous sommes très émus aujourd'hui. Nous avons perdu un homme, un champion. Connu pour sa modestie, son humanisme, son patriotisme.